une langoustine croustillante, betterave relevée au vinaigre de tchakouli, en fraîche du jardin. À côté, vous avez la tartelette de sardines, putain escabèche, pour représenter le port de Saint-Jean-de-Luz durant cette même balade. Puis nous continuons sur la crème légère, la betterave rouge, menthe, cardamome, terminée avec la jolie bille de foie gras, enrobée d'un jet de sucre muscovado, habillée d'une anguille fumée. Champagne perné sur qui m'a l'air de voir en blanc de blanc, monsieur. Donc la jolie roi aube réalisée par les compagnons du Tour de France avec un pain au maïs torréfié, piment d'Espelette et juste un peu plus devant, un pain plus classique, riz chasseur, graines et levain. Vous avez également le beurre au sel et piment d'Espelette de la vallée des Adudes avec le loboro qui est le nom typique de la Croix basque, avec cette assiette en forme de maison avec le couteau, le bois du couteau qui va faire penser dans l'idéal l'arbre devant cette jolie maison, et également la pointe du couteau qui va laisser penser à la cheminée de cette aussi jolie maison. Avec une petite phrase à droite, « Gure etxean, datorrena, bere etxean dago », en fait, veut dire « Ma maison est aussi votre maison ». Ce qui va primer à travers ceci, ça va être le partage, l'invitation, l'hospitalité. Et vous avez également cette jolie mise en bouche autour du kambava. Kambava qui proviendra de notre fameuse terre à agrumes que vous pouvez voir juste là-bas, sous différentes formes. Ce qui est spécifique avec ce fruit, c'est que sa feuille est aussi aromatique et expressive que le fruit. Ce qui va donc nous permettre de le travailler tout au long de l'année, malgré que nous ne sommes plus dans la saisonnalité, avec en son cœur du concombre, afin d'y rapporter également de la fraîcheur. Tout simplement. Alors, juste ici, donc, je vous emmène dans les forêts d'Irati, dans les sous-bois. Juste ici, donc, une jolie assiette autour des champignons, des clignaisons. Vous allez retrouver un crémeux noisette pour ce côté un petit peu croquant. Un bouillon qui a été infusé aux champignons. Et juste ici, je viens saupoudrer et râper donc, du cep. Ça sent très bon. Hein. Ouais, c'est le chanteur là. On va continuer du côté de la Hongrie désormais. On va accompagner cette magnifique assiette autour des légumes anciens. Je vous propose ici cette magnifique appellation de Tokaj, la région du Tokaj en Hongrie, avec ici le vin du domaine de chez Madame Stéphanie Beresch, une française Stéphanie qui s'est mariée avec un Hongrois, et qui propose ici donc un vin blanc sec issu du cépage Arslevelou, un cépage qui va donner des vins assez puissants, hein, puis une belle longueur en bouche, voilà, ça viendra parfaitement accompagner le caramel. C'est très bien ça. Alors juste ici, donc les légumes anciens, vous allez retrouver salsifis, panais, topinambour et cerfeuil de chou-béran, qui vont donc être travaillés en différentes textures.
Vous allez également retrouver donc la petite coque marron qui a été rôtie comme de topinambour farci à la crème de truffe. Tout autour, un caramel à la bière Solera, notre brasseur situé à Tarnos. Et pour terminer, donc, je vais ajouter une émulsion autour du topinambour et café arabica de la maison Deuza, située à Saint-Jean-de-Luz. Côte Auvergnat de Provence, on est ici au château La Calice chez madame Patricia Orteni, avec ici et donc ce vin blanc sec issu du cépage Roll, un cépage autrement appelé le Vermentino, en Corse ou en Italie. C'est un cépage très aromatique, très parfumé, avec ce côté floral, fleur blanche, que l'on va bien sûr associer bien avec la fleur de courgette. Et puis bien sûr, cette texture, ce côté un peu riche, aromatique, viendra parfaitement faire le lien avec la dimension généreuse, gourmande de votre plat, hein, notamment avec la sauce Nantua qui est riche, qui est crémeuse, qui est généreuse. Ici, donc, le plat emblématique de la maison, vous allez retrouver une fleur de courgette soufflée farcie à la langoustine, une sauce Nantua, sauce à base donc, de carapace de langoustine, tomate cumato, tomate locale et courgette grillée. Et juste ici à partager pour ce côté croquant, langoustine, croustillante, tomate et basilic. Monsieur, on va inaugurer donc ce magnifique plat autour de la lotte, travaillé avec le haricot tarbé, le condiment huître, le condiment citron. Et je vous propose que l'on se retrouve ici donc, à la magnifique appellation de Gros Hermitage. On est au domaine Combier, hein, monsieur, avec donc, ce magnifique syrah, hein, avec beaucoup de puissance, ce côté un peu juteux qui va ressortir et qui va parfaitement s'associer avec eh bien, le jambon, avec à la fois aussi la texture de la lotte. Quant à vous, monsieur, donc la queue de l'ode rôtie accompagnée donc de lard gascon, monsieur Taïtia. Vous avez également des haricots tarbés accompagnés de chorizo, une petite pointe de citron pour ce côté d'acidité. Et pour terminer, je suis venue ajouter donc un beurre blanc madère. Très belle continuation. Dans le fameux fiancé des Pyrénées, fromage de chèvre travaillé par le chef, poivre sarawak et bonjour l'épicé. Notre plateau de fromage qui s'appelle le caillolard. Le cagnolard, en fait, l'idée c'est d'avoir un mélange de fromage pyrénéen, donc, Pays Basque, Béarn et Haute-Pyrénées. D'un côté, on va retrouver donc tout ce qui peut être vache, de l'autre côté, chèvre et brebis. Et comme ce sont des fromages qui sont voilà, de petits producteurs et qui changent un petit peu, on va pouvoir faire un joli échange par rapport à ça. Le seul qui est le plus connu, c'est bien évidemment l'osso di Rati, le seul AOC du plateau. J'ai déjà vous poser la question, est-ce qu'il y a des fromages en particulier que vous n'aimez pas dans ce sens-là? Non, vous aimez tous les fromages? Rebis ici et vache affinée au Jurançon, sous le vin exactement. Création de notre fromager Frédéric Maviel qui est situé en Glette. En fait, on se fournit avec deux fromagers. On va faire également l'escadute. Juste ici, avec une jolie croûte qui, bien sûr, qui vient se manger et qui va apporter un peu plus de puissance en fait, hein, ce qui est vraiment très intéressant. On va pouvoir ensuite partir sur le fiancé des Pyrénées pour retrouver vraiment ce côté crémeux et lactique. Un petit peu de bleu. Ah oui, ça allez. C'est quelque chose. Allez, le bleu, alors les bleus, pareil, c'est la fin de la saison, fin de la production. Et on fait un petit peu d'osso irati d'estive, peut-être. Oui. Hein, on a découvert une fermière du côté de Saint-Pé-sur-Nivelle. Oui. Elle fait un osso irati. Wow. La particularité de l'osso irati, ça c'est très intéressant et c'est très propre à l'osso irati, c'est que chaque producteur fait son osso irati. Vous avez vu que je les ai coupés très finement. Oui. C'est pas parce que je ne veux pas faire des grandes tranches, c'est parce que c'est comme ça que ça va, vous allez avoir le plus de saveur. C'est-à-dire que si je vous fais une grosse tranche, vous allez manger de l'osso irati pour manger du fromage. C'est pas ça. Le but, c'est de goûter au fromage et de goûter aux saveurs qu'il peut y avoir. C'est ça l'intérêt de l'osso irati, c'est de pouvoir aussi le couper très finement. Comme on pourrait goûter un jambon, c'est-à-dire vraiment sur le côté vraiment très, très fin. Je vais aller pour Hugo. Hugo, c'est vraiment le top de ma taille. Ça y est, c'était... La première
framboise et le sucre de ce breuvage. Alors juste ici donc le dessert autour des framboises. Framboises donc de Tursan, de Philippe Séby dans les Landes. Vous allez retrouver donc les framboises qui ont été cuites dans une coque de meringue, une cuisson donc dite à l'étouffée. Ce qui va permettre d'apporter ce côté un petit peu juteux aux framboises. À l'intérieur se cache le géranium rosa. C'est la seule variété de géranium qui est comestible et qui va permettre donc d'apporter ce côté floral et autour de la rose. Vous allez également retrouver au centre de l'assiette donc un biscuit cuillère et une glace royale à la framboise. Et pour apporter ce côté de gourmandise, je vais venir ajouter une extraction. Tout simplement un jus de framboise à l'état pur sans ajout, uniquement le jus du fruit. Quant à vous, monsieur, donc le dessert autour de la mûre et myrte sauvage, vous allez retrouver donc un cheesecake revisité ainsi qu'un petit biscuit autour de l'amande. Des compotés de mûre pour ce côté croustillon, donc des opalines en sucre sur le dessus. Et mon collègue est en train d'ajouter donc un granité aux pousses du jardin, verveine, estragon et basilic. Avec quelques gouttes de chartre jaune également. Belle fin de repas. On a un monsieur où là on est sur des choses un peu plus puissantes pour accompagner le côté très herbacé de ce dessert autour de la mûre. Je vous propose un corps assez particulier avec de la chartreuse, monsieur, une belle chartreuse jaune, tout en rondeur, qui va mettre en valeur avec ce côté herbacé les différentes plantes que vous allez retrouver. Ici la star de l'assiette en plus de la mûre, ça va vraiment être les différentes plantes. Sans oublier les madeleines au miel de châtaignier qui sortent tout juste du four. Je vous en prie. Non, mais voilà, c'est bon. Ici, un chocolat voilà, ici. Au caramel sel, au caramel beurre salé et cacao.